Dans Ésaïe 48, 16 et 61, 1, le Fils parle en faisant référence au Père et au Saint-Esprit. Comparez Ésaïe 61, 1 à Luc 4, 14, 19 pour voir que c'est le Fils qui parle. Matthieu 3, 16, 17 décrit l'événement du baptême de Jésus. On voit dans ce passage que Dieu, le Saint-Esprit, descend sur Dieu le Fils, tandis que Dieu le Père proclame sa satisfaction dans le Fils. Matthieu 28, 19 et 2 Corinthiens 13, 14 sont d'autres exemples de passages qui présentent trois personnes distinctes dans la Trinité. Les membres de la Trinité sont distingués les uns des autres dans divers passages. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur est distingué de Seigneur, Genèse 19, 24, Osée 1, 4. Le Seigneur a un Fils, Psaume 2, 7, Proverbe 32, 4. L'Esprit se distingue du Seigneur, Nombre 27, 18, et de Dieu, Psaume 51, 10, 12. Dieu le Fils se distingue de Dieu le Père, Hébreu 1, 8, 9, Psaume 45, 6, 7. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle au Père de l'envoi d'un consolateur, le Saint-Esprit, Jean 14, 16, 17. Cela montre que Jésus ne se considérait pas comme le Père ou le Saint-Esprit. Considérez également les autres cas où Jésus parle au Père. Se parlait-il à lui-même Non. Il parlait à une autre personne, la Trinité, le Père.